Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle série sur Football Manager 2016 où je vais tenter de faire une belle carrière à la tête de Newcastle. Donc juste pour vous présenter, voilà les différents championnats auxquels j'ai intégré à cette carrière. Donc l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Brésil, l'Écosse, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Irlande, l'Italie, la Russie et la Suisse. Donc cette série va être légèrement différente de la précédente que j'ai fait sur le 2014 pour la simple et bonne raison que même si je joue encore en Angleterre, je joue cette fois dans la première division anglaise et non pas dans la dernière division jouable dans ce jeu. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'équipe de Newcastle. Pourquoi l'équipe de Newcastle? L'équipe de Newcastle est une équipe... Je ne suis pas forcément fan de Newcastle, mais c'est une équipe que j'aime bien. Et au vu de ce qui se passe cette année, et voire de ce qui s'est passé l'an dernier, je vais essayer de tout simplement de faire mieux. On pourrait penser que Newcastle est une équipe vouée à la relégation, vu ces deux dernières saisons, mais je suis sûr qu'il y a moyen d'aller titiller la première partie de tableau. On va pas parler de titre, on va pas parler de Ligue des Champions, même pas d'Europa, mais juste de première partie de tableau. Donc, tout le monde connaît Newcastle, ou en tout cas tous ceux qui s'intéressent un minimum au football anglais. On va quand même faire une revue d'effectifs hein, pour présenter donc cette équipe. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà une équipe en tête, mais il y a quelques blessés. Donc ça évoluera forcément au fil de la saison. Dans l'ossature principale, Tim Krul, toujours le gardien vétéran, a fait quasiment toute sa carrière à Newcastle. Il sera titulaire dans mes cages cette année. Des notes dans le rouge, pas forcément importantes. Penalty, appel de balle, inspiration, vision de jeu. Dans tout cela, il y a peut-être la vision de jeu qui peut porter préjudice au gardien. Mais on voit sinon qu'en détente réflexe et un contre un, par exemple des qualités qui sont propres au gardien, il a quand même un 16, ce qui est pas dégueulasse, et voire même un 18 en agilité et détente verticale. Donc de bonne qualité pour un gardien de but. C'est pas forcément un gardien de but pour aller titiller Manchester United ou City en quête du titre, mais c'est un bon gardien de première ligue. On va parler de Fabrizio Colocini, également un ancien joueur de Newcastle, ça fait déjà quelques saisons qu'il est là. Très bon défenseur, malgré tout, 33 ans, un peu vieux. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que ce que j'accorde comme importance en défense, en note de défense, c'est surtout le marquage, le tacle, les têtes, voire pour les latéraux, la vitesse et l'accélération. Et d'une matière un petit peu plus générale, le placement et l'activité pour les défenseurs. Donc vous voyez qu'en activité et en placement, il n'y a rien à dire. Tête 12, 15 marquages, 16 en tacle, pourrait être mieux, mais bon. Il y a pire aussi. Par contre en vitesse et en accélération, c'est pas un foudre de guerre, il accélère pas. C'est pas Flash Gordon le mec. Donc c'est pour ça qu'il sera uniquement défenseur central. Ce sera la tour de contrôle de ma défense. Associé à lui, Mike Williamson. Également un ancien de la maison, également un joueur de plus de 30 ans. Vous voyez qu'en vitesse, toujours pareil, 9-9, c'est pas forcément bon, mais 16 en marquage, 16 en tacle, 18 en tête, 16 en activité. 15 emplacements qui sont d'excellentes notes pour un défenseur. Bon, c'est sûr, pour le reste, hein, on va pas lui demander d'aller faire un sprint et dribbler 14 joueurs avant de centrer. C'est pas son rôle de toute façon. Mais donc je compte sur lui, en tout cas pour cette saison. On va faire par poste directement, ce sera plus simple pour moi. Donc ensuite, on a Jamal Lascalles qui n'est pas inscrit pour l'instant. Un petit jeune. 12 en marquage, 13 en tacle, 12 en tête, 13 en accélération, 14 en vitesse. Il peut faire figure de remplaçant cette saison. Même si je le rappelle, il n'est pas encore enregistré. Je ne sais pas si je peux le faire tout de suite. Enregistrement. Non, il y en a déjà trop. 25 joueurs maximum dans l'effectif. Ok. Donc pas de Jamal Lascal. Peut-être en couple, je le ferai jouer. Steven Taylor, un autre ancien de la maison,
Il a joué que 6 matchs dans un autre club. Là aussi, bientôt 30 ans. 16, 16, 17, vous le voyez, marquage, tacle, tête, 11 en accélération, 11 en vitesse. Il pourrait faire figure même de titulaire. Ouais, ça peut être pas mal à la place de Williamson. J'avais pas vu ça comme ça. Et je pense que, au vu de sa forme, je vais changer tout de suite pour pas oublier, mais à mon avis, au niveau de la condition physique, ce sera pas le top. Chancel Mbemba, donc il peut jouer à droite, qui peut jouer en centre. C'est un jeune congolais de 20 ans. Des notes raisonnables pour un jeune. 14 en vitesse, 14 en accélération, 15 en activité, 12 en placement. Et des notes au-dessus de la moyenne en tête, tacle et marquage. Donc pareil, je pense, c'est pas un titulaire indiscutable, loin de là. Mais je pense que dans les années qui viennent, il y a possibilité que je le fasse jouer. C'était également le cas de Kevin Mbappé. 10, non, le dribble, on s'en fout. 13 en marquage, 13 en tacle, 13 en tête, 15 en accélération, 13 en vitesse, 14 en activité et 12 en placement. Un bon petit joueur d'avenir pour un joueur de 20 ans. Seulement, il est défenseur central et comme vous l'avez vu, des défenseurs centraux pour l'instant, j'en ai et des expérimentés. Donc je ne compte pas sur lui cette année. C'est pourquoi je l'ai prêté à Partick Thistle, un club de première division écossaise. Qui joue le maintien, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, ils sont pressentis pour être dernier, avant-dernier, enfin dans les trois derniers quoi. Donc j'espère en tout cas qu'il sera titulaire et qu'il va pouvoir s'aguerrir. Paul Dumet, que je ne connais pas, 23 ans, défenseur gauche et centre. Bah c'est un produit de la maison en fait finalement. Je vais essayer de mieux le connaître ce petit jeune parce que ça m'embêterait de ne pas faire jouer un pur produit maison. Donc on voit pareil un 14 de bonnes notes en marquage, tacle, tête. Un peu lent pour un joueur de cet âge-là. Et par contre bon placement et très bonne activité. Pour l'instant il est blessé. 5 semaines à 2 mois. Donc il va manquer le début de saison forcément. En défense à gauche. Massadio Aïdara, le petit français. Donc des notes pas folichonnes, hein. Très très rapide, mais pas folichonnes. 8 en tête par exemple, un gros point fort, gros point faible. 14 en tacle, 14 en marquage, il se rattrape en activité. Je ne sais pas encore si ce sera mon titulaire à gauche. Je cherche encore des remplacements, ce ne sera pas Adam Laidler. Un autre jeune du centre de formation, 18 ans, qui je pense va faire quelques apparitions, mais très rares quant à présent. Donc Paul Dumet peut-être qui sera titulaire. Ça va se jouer entre Dumet et Aïdara. Mais pour l'instant la question ne se pose pas étant donné que Dumet est blessé à droite. Alors on a Yann Mat, un bon joueur. Que je ne connaissais pas non plus, un joueur qui est arrivé l'an dernier des Pays-Bas. Une accélération assez faible pour un joueur latéral, mais une bonne activité, des bonnes notes défensives. Donc je compte sur lui, je pense que ce sera mon titulaire côté droit. Chancel Mbemba, on l'a déjà vu, il va peut-être faire quelques apparitions. En tout cas, je compte le faire progresser. À défaut, si au mois de janvier je vois qu'il progresse toujours pas, je pense que je le prêterai. Surtout pour quelqu'un qui a un contrat qui me coûte quand même 182 000 euros et que je viens d'acheter, ce serait quand même un peu con de ne pas faire jouer. Et donc je me suis fait prêter Borja Sanemeterio qui vient du Racing Santander en Espagne. Du Racing Santander. Bon, des notes correctes, hein. C'est pareil, il va être en concurrence avec Mbemba pour le poste de remplaçant à droite. Ensuite, on a vu les défenseurs. Alors, toujours au niveau des milieux défensifs, dans les postes défensifs, on a Jack Colback, un petit jeune, 25 ans, qui va jouer des bouts de match. Il n'est pas titulaire indiscutable, loin de là. L'an dernier, il a quand même fait la saison complète. Je ne pense pas qu'il sera titulaire indiscutable, étant donné qu'il y a deux grosses pointures au milieu.
Vernon Anita, que j'apprécie énormément. Le petit Hollandais, déjà 4 saisons. Pour moi, c'est quand même. Au niveau des milieux défensifs, je pense qu'à Newcastle, ils ont pas à se plaindre. Entre Anita et Tchèque, je pense que c'est quand même solide. Et on n'a pas à se plaindre. Ensuite, un cran en dessus, on va parler de Moussa Sissoko, de Wijnaldum, Gouffran. Mais pour l'instant, eux, je les considère comme des joueurs offensifs. Donc on va parler de Bigirimana, un Anglais de 21 ans, assez jeune. Pareil, je compte lui faire quelques bouts de match. Daniel Barlazer, alors lui par contre, il va retourner en équipe réserve, je pense. Je l'avais fait monter parce que j'avais beaucoup de blessés pendant mes matchs amicaux. Donc on va le mettre directement en équipe B. Je compte pas sur lui. D'ailleurs, on va virer les derniers postes, étant donné qu'il n'y a que 7 remplacements en première division anglaise. Excusez-moi. Voilà, donc ensuite on va parler des postes offensifs. Donc Moussa Sissoko, le français que tout le monde connaît, très bon milieu de terrain, en tout cas il peut être très bon, de préférence sur un côté. Après, là dans les matchs amicaux, il a alterné le bon, le très bon et le moins bon. Donc j'espère pour le club qu'il va faire une très bonne saison, parce que j'ai besoin d'un bon Moussa Sissoko. Johan Gouffran, bon, pas besoin de le présenter, l'ancien bordelais, qui a fait quand même quelques années, hein. C'est sa 4e année à Newcastle. Bon, il n'est pas titulaire indiscutable depuis le temps qu'il est là. Ah, quand même, 31, 35 apparitions, il a quand même réussi à faire son petit trou. Mais il n'a pas des notes super excellentes, hein. Pour un ailier, 12 en centre, je trouve pas ça super. 13 en dribble, il y a mieux. Gabriel Obertan, même profil, 6 ans, 5e année. Il est à Newcastle, donc pareil, des notes un peu faibles. Hein. Je le trouve pas excellent, très rapide. Et pourtant, ces deux joueurs, ils ont fait de bons matchs amicaux. Hein. Que ce soit Gouffran ou Obertan, ils ont fait de bons matchs amicaux. Encore un autre français avec Sylvain Marvaux, l'ancien du Stade Rennais et de l'En Avant Guingamp. Donc des notes un petit peu meilleures. Le problème, c'est qu'il joue dans l'axe. Et dans l'axe, je joue pas souvent. Ou en tout cas tout le temps avec un milieu offensif centre. C'est le cas cette année, donc il aura peut-être sa chance. Peut-être, ça va dépendre des blessures. Mais donc je pense qu'il a sa chance. C'est pas le meilleur. En ce qui concerne Gouffran, Marvaux, Obertan, ils vont pas s'attarder à Newcastle. Je veux dire, si je reste au club pendant 3 ou 4 ans, ils seront pas là dans 4 ans, ça c'est sûr et certain. Il va falloir améliorer l'équipe. Je les trouve un petit peu faibles. Pour pas pour la première ligue. Je les trouve un petit peu faibles pour la première partie de première ligue. Si on veut jouer la première partie de première ligue, il va falloir trouver des joueurs de meilleur niveau. Georginio Wijnaldum. Donc il a des notes un petit peu faibles, mais sur le terrain, ça promet. Donc le milieu offensif central titulaire, le numéro 10 titulaire, ce sera lui. Donc ensuite, on a Rémi Cabella, mais Rémi Cabella, vous le savez comme moi, il est parti à l'Olympique de Marseille. C'est juste un prêt qui est à Marseille, donc il va revenir. Sauf s'il y a une clause d'option, une option d'achat qui n'est pas spécifiée ici. Contrat de prêt, nanana. Non, hein. Prêté à l'OM, ouais. Donc, y a pas, donc il va revenir l'an prochain. Et il me plaît bien. J'aurais bien aimé l'avoir. Je préfère avoir Rémi Cabella que Florian Thauvin, même si Florian Thauvin a de meilleures notes. Donc je souhaite que Florian Thauvin me fasse mentir. Je compte en faire de lui pardon, un titulaire. Maintenant, s'il me fait de la merde, il sera relégué sur le banc. Ensuite, nous avons Ayoze Pérez. Pareil, très bon joueur
Pas un buteur pour moi. Pas encore assez. Il n'a pas encore le petit truc qui fait que c'est un tueur en série devant les cages. Pour moi, le buteur titulaire, ce sera Papi Cissé à l'attaque. Mais Perez ne sera même pas un remplaçant. Ça va dépendre des performances des autres joueurs. Mais à mon avis, Perez, quand il jouera, il sera aussi au poste de numéro 10. Voire d'attaquant de soutien si je joue en deux pointes. Ce qui risque de ne pas être le cas souvent. CM de Jong. Un petit jeune qui vient de l'Ajax. 4 apparitions, un but l'an dernier. Des notes assez correctes pour un petit jeune. Enfin, un petit jeune, il a 26 ans. Je le voyais plus jeune. Il a fait de bons petits matchs de préparation pour ce qu'il a joué. Clairement, il sera pas dans le 11 titulaire. Mais bon, pareil. Peut-être pour les matchs de coupe ou on verra plus tard en fonction des matchs de chacun. Ensuite, les deux derniers qu'il nous reste, Emmanuel Rivière, l'ancien Toulousain, ouais, entre autres, et Monégasque. Bon bah des notes pas folichonnes hein. Pour moi il passe derrière Perez, il passe limite, bah, si je dis pas de bêtises, il passe même derrière De Jong. De toute façon ces deux premiers mois il est blessé, donc pas de souci à se faire, on avisera en temps et en heure. Et puis mon titulaire à la pointe hein. Pour l'instant ce sera Papi Cissé, à défaut d'avoir mieux, qui est déjà là depuis 5 ans et qui a claqué 15, 26, 26, 8, 34 buts, qui n'est pas exceptionnel pour un attaquant. Ah, j'ai oublié Aleksandar Mitrovic qui sera donc son remplaçant, qui nous vient d'Anderlecht. Il y a beaucoup de joueurs qui nous viennent d'Anderlecht. Donc voilà, bon, 20 ans, un petit jeune, pas fait des matchs amicaux, folichon, folichon. Au niveau des matchs amicaux justement, donc on a commencé logiquement contre la réserve, un petit match de 1. Est-ce que je peux montrer, voilà, les buteurs, ça évitera de rentrer dans le match. But de Taylor et de Sissoko. Un petit match contre un petit club anglais. Doublé de Sissoko. Un but de Williamson et un but de Thauvin. Donc ça fait deux matchs et deux buts de mes défenseurs centraux. De nouveaux matchs contre deux équipes. Une équipe en tout cas réputée beaucoup moins forte. Dumbarton. Victoire 3-0 à la clé avec Obertan, Wijnaldum et Gouffran qui ont marqué. Un match contre Gaziantepspor. Donc je pensais que c'était un petit club de merde turc, mais non, ils sont quand même en division 1. Victoire 3-2. Victoire étriquée quand même. 3 buts à 2. Donc ah oui, j'étais mené 2-0 à la mi-temps. Finalement la deuxième mi-temps avec la sortie de Biggy Rama. J'ai sorti juste Biggy Rama, j'ai fait rentrer Cheick Doté. Et ça a changé quand même pas mal de choses. Donc Williamson, il a marqué, que je vous dise pas de bêtises, il a marqué en début de deuxième mi-temps. Enfin bref, c'est pas le plus important. Et enfin un autre match amical. Donc celui-là, je me suis dit, ça c'est un match qu'il faut gagner. Hein. C'est un match important contre Twente. C'est pas une petite équipe. On peut les rencontrer en Coupe d'Europe à l'heure actuelle. Et ben non, ça s'est soldé par une petite défaite, toute petite. Mais défaite quand même. Donc en plus c'est un CSC de Thauvin qui s'est blessé pour le coup en plus. Donc c'est pas grave pour le dernier match amical. Je me suis dit on va se relancer contre une équipe réputée beaucoup moins forte que nous, Gateshead. Et ben non, match nul 0-0. On a eu beaucoup d'occasions, mais on n'est pas arrivé à trouver à faire sauter le verrou. Donc au niveau des compétitions, les dirigeants me demandent d'être dans la première moitié de terrain. Oh là là. Première moitié de tableau. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué. Hein. Première moitié de tableau. Donc dans les 10 premiers, c'est faisable. Pour moi, c'est faisable. Faudra pas faire d'erreur contre les petites équipes. Je souhaite, moi, viser entre la 8e et la 5e place. Ce sera déjà bien. Si on arrive à gratter la 5e place, c'est parfait. Ensuite, il souhaite qu'on aille au minimum au 5e tour de la Coupe d'Angleterre. Donc,
si je vous dis pas de bêtises, le cinquième tour. Voilà, c'est les huitièmes de finale. C'est encore jouable. Ça dépendra toujours du tirage. C'est sûr que si au premier tour, au troisième tour ou au quatrième tour, je tombe contre City ou United, je vais avoir du mal, ou même Chelsea, je vais avoir du mal à les concurrencer, même si il va falloir que je fasse des résultats contre ces grosses équipes. Il faut pas s'avouer vaincu. C'est pas parce qu'on joue United, City, Liverpool, Chelsea, Arsenal qu'on va forcément perdre. Donc il va falloir faire aussi des gros matchs contre ces grosses équipes. En tout cas, il va falloir faire de toute façon une belle saison. Donc on va pas dire qu'on va gagner tous les matchs, mais on va essayer de faire une belle saison. La capitale One Cup, les dirigeants ne s'y intéressent pas, donc j'en profiterai pour faire tourner l'effectif et faire jouer mes remplaçants comme Bigiri, Mana, si je dis pas de bêtises. Guiri, Mana, voilà, c'est ça. Marvo, Bertrand, Mbemba, Rivière, s'il revient, De Jong, Perez, tout cela, même Rob Elliott, hein, mon gardien remplaçant que j'ai pas montré, tout cela vont avoir du temps de jeu pendant la coupe. Au niveau du calendrier, donc toujours, on peut voir qu'on va commencer contre Bournemouth et Norwich, qui sont deux équipes de bas de classement. Sans vouloir leur manquer de respect. Voilà. Les bookmakers les prévoient dernier avant-dernier. Donc ben, j'espère en tout cas que ce sera 6 points pris dans la musette pour nous. Ensuite, ce sera un petit peu plus compliqué. On ira à Southampton qui est prévu pour se battre pour la première moitié de tableau. Et d'ici là, on verra comment ça se passe. Voilà pour les présentations de mon équipe et de mon calendrier. Je joue en 4-2-3-1 ou en 4-3-3-1, sachant que là la configuration actuelle ne sera pas celle du match pour Bournemouth. Gouffran ne sera pas titulaire. Et puis ça dépendra aussi de la forme actuelle. Mitrovic non plus, je pense pas qu'il sera titulaire. De toute façon, on va avancer un petit peu. Le match est dans 2 jours. Nous allons faire le match ensemble. Voilà, comme ça on sera lancé directement dans le bain. Alors, bon, voilà, c'est une grande première pour moi. La conférence de presse, elle n'était pas encore arrivée. Alors, ouais, on va pas commencer à se la péter. Voilà, c'est le genre de match que nous devons remporter. Est-ce que la préparation de match permettra de bien débuter le championnat? Nous allons devoir faire preuve de la même forme lors des matchs de compétition, effectivement. La première journée de championnat est attendue avec une grande impatience. Nanani nanana. Tout le monde est fin prêt. Ressentez-vous de l'excitation? Non. Moi aussi, quand même. Ça ne remplacera jamais un match en jeu. Nous sommes prêts et impatients de pouvoir débuter. On va être confiant. Hein. Vous devez être très satisfait du nouveau contrat par Steven Taylor. Effectivement. On va le faire mousser un petit peu. La forme de Daryl Jan maintenant, je pense pas que ce soit. Mais bon, je vais pas lui dire. Voilà, on va mettre qu'il est là de grosse qualité. Patati patata. Faut leur faire plaisir de toute façon en début de saison. Est-ce que j'ai un 11 de départ en tête? Non. Non, non. J'ai une vague idée, mais un 11 de départ type. Sur les 10 premiers matchs, non, on va pas aller jusque-là. Donc, effectivement, donc ils m'ont posé une question sur le contrat de Taylor. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de fins de contrat qui arrivent. Enfin, beaucoup si on prend en compte l'équipe réserve. Là, par exemple, vous voyez que Ladler, qui ne sera pas reconduit, quoique. Aubertin, Rob Elliott et Sylvain Marveau sont sur le départ. Il y avait également Colucci et Taylor, donc que j'ai prolongé malgré leur âge. Parce que ce sont quand même des cadres. Donc je les veux au moins pour cette saison et la saison prochaine. Je compte aussi faire signer Elliott. Au cas où Tim Krul. Ouais, Tim Krul est plus jeune que Elliott. De toute façon, avant de remplacer Elliott, il faudrait que je lui trouve un remplaçant.
Donc s'il ne prolonge pas, salaire de 122 000 euros. On va voir ce qu'il fait en coupe. S'il fait des bons matchs en coupe, il y a possibilité qu'il reste l'an prochain. Par contre, s'il me va à Marvaux, je ne savais pas que c'était sa dernière saison. Il a quand même un gros salaire, hein, 244 000 euros. Ça se situe dans le top 10. Et puis des milieux offensifs central gauche, sachant que Cabella reviendra l'an prochain. À mon avis, il va partir. Alors, lui, comment il se sent? Il a de récupérer de sa blessure. Il pense que Sissoko est un bon joueur. Ok, on s'en fout. C'est pas ce que je te demande. T'es bien dans le club ou t'es pas bien dans le club? Milieu offensif, gauche, centre. Est-ce que j'en ai? Là, je suis en train de réfléchir. Ah, est-ce que je le garde ou est-ce que j'essaie de le vendre tout de suite? Alors, qui c'est qui pourrait prendre ta place? Toi, tu peux jouer dans l'axe, toi aussi. Sissoko à droite, donc en fait à gauche. Voilà, c'est mieux. Toi, je vais te mettre en réserve pour l'instant. Parce que de toute façon, t'es pas là. Mais t'es où? Mais t'es pas là. Donc, imaginons que Marvaux ne soit pas là. Négocier, sachant que j'ai qu'un seul million pour les transferts et que je crois qu'il y a 75% des transferts qui sont alloués. C'est où? 75% des recettes transferts sont disponibles. Ok. Et donc si je le vends, Sylvain Marbot, je peux le vendre combien? Il vaut 5 millions. Wow, ça va pas me faire grand-chose. Si je le vends à cette valeur, ça va faire 3 millions 8 à peu près. Donc 4 millions un joueur milieu offensif gauche centre pour la première ligue de 4 millions, je n'en connais pas. Donc accessoirement, on va le garder. Voilà. Ensuite, hop, voilà, faire le tri. Donc on a dit tac 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 tac, tout ça c'est bon. Et jusque-là, ça me chiffonne parce que milieu offensif gauche, il n'y en a pas des masses en ce moment. Enfin bon, on va continuer d'avancer. Je vais virer ceux que je pense qui sont pas titulaires dans ma tête. Voilà, juste hop, pour vous préciser. Au niveau des dépenses, tac tac tac, voilà, dette et emprunt, il y a un prêt qu'on doit rembourser. Donc un prêt de 30 millions qu'on doit rembourser, 1 million 3 par mois. On vient tout juste de commencer et ça se finira dans 2 ans. Voilà pourquoi le budget des transferts est réduit à 75%. Ou en tout cas 75% des revenus des budgets des ventes de joueurs sont attribués de nouveau au budget des transferts au lieu de 100%. Donc nous voilà pour la première journée de championnat. On voit qu'il y a déjà un Tottenham Manchester City qui peut piquer et un Manchester United Everton avec Rooney qui va jouer contre son ancien club. Nous, on va se déplacer, on va recevoir plutôt tranquillement Bournemouth. Voilà, j'espère bien commencer. Pourquoi c'est décalé ça? Parce que Southampton joue en coupe. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi a dû faire face à de très nombreuses questions? Notamment, non, non, non. Et attends, mais t'es qui toi? Oh, t'es l'entraîneur de. Ouais, on s'en fout de ce que tu dis. Laisse-nous tranquille. Donc voilà. Première partie de tableau en première division. Cinquième tour, donc huitième de finale de la Coupe d'Angleterre. Et puis on figurera bien au Capital One Cup. La MLS, les matchs du week-end. Ouais, pas d'autres gros matchs, hein, même dimanche. Donc voilà. J'espère que ça va bien se passer.
Donc Bournemouth, Arthur Boruc dans les cages, logique, hein, c'est un gardien assez expérimenté quand même pour la première ligue, 35 ans. Il y a d'autres joueurs qui sont connus comme Dan Gosling qui devrait être... Non, Gosling ne joue pas. Ok. Il y a Sylvain Distan, quand même, le français. Pourquoi il joue pas Gosling, notre en... Il doit être sur le banc, sans doute. Pourquoi je fais une fixette sur Gosling? Parce que c'est un ancien joueur de Newcastle. Tout simplement. Donc, voilà. Croule dans les cages jusque-là. Tout va bien. Colocini, c'est pas normal que tu sois. Voilà. Défenseur, relanceur. C'est mieux. Défenseur strict, c'est bon. Latéral, on est d'accord. Mais sauf que tu joues en attaque. Arrière latéral, offensif. Mais en défense, tac tac. Là, on est bien. Anita Tioté, on est bien. Sissoko, on est bien. Wijnaldum. C'est le mieux que tu peux me faire. Ok. Ensuite, nous avons un petit souci. Les milieux offensifs gauche. Alors, on a le choix entre nous. Eh ben, on n'a pas le choix. À moins qu'on mette Wijnaldum à gauche. Qu'est-ce que ça donne, Wijnaldum à gauche? Attaquant intérieur. Ben voilà, parfait. T'es meilleur à gauche que dans l'axe. Ben alors ça, c'est peut-être une excellente nouvelle. Ce qui fait que dans l'axe, on pourra mettre un petit Perez ou un petit De Jong. Alors, soit on met José Perez, le petit jeune. 36 apparitions, 7 buts l'an dernier. 15 en finition quand même. 16, ça peut être pas mal. Où sont mes Siem de Jong qui vient d'arriver? Bon, il vient pas d'arriver. Il a fait 4 apparitions, un but l'an dernier. Non, on va mettre à José Pérez. Je pense qu'il n'y a pas photo. Par contre, de Jong, on va le faire. On va le faire jouer en remplaçant. Voilà, c'est le bordel dans les remplaçants aussi, hein. J'aime pas quand c'est dans le désordre comme ça. Et enfin, en pointe, donc logiquement, Papy Cissé. Ok, pas de soucis. Ok, a pas compris, voilà. Donc, on remet tous les postes, on remet tous les côtés. Les joueurs disponibles. Donc, Elliot, ok, on est d'accord. Laidler, non, je pense pas que tu sois là, toi. Sauf si t'es le seul défenseur à gauche, je pense que c'est le cas. Toi, ok, callback, ok, callback, ok, ouais, donc il y a un souci, il y a un souci, il y a un petit souci, c'est que j'ai pas d'autre ailier. Alors, petit détail aussi, le contrat d'Obertan se termine en 2016. Donc l'an prochain, lui aussi il part l'an prochain. Ok, et Gouffrand. Donc Gouffrand, je pense qu'il va être remplaçant vu qu'il peut jouer sur les deux côtés. Alors est-ce compris? Ah, ça pue. Je vous explique mon dilemme là. En fait, je suis en train de réfléchir parce que en remplaçant numéro 2, normalement il faut un défenseur gauche, voire défenseur gauche et central. Or, il n'y en a pas, hormis Laidler. Donc, Laidler, je vais le foutre en équipe 1 pour l'instant, vu que j'ai personne d'autre. Et ce que j'aimerais en fait, c'est mettre un milieu offensif droit. Et gauche, donc en l'occurrence Johan Gouffrand, mais ça me force à virer soit Colbach soit De Jong. Et en l'occurrence, je crois que c'est De Jong qui va sauter ou Mitrovic. Mitrovic, je crois que tu vas sauter. Ils ont tous les deux la même forme. Putain, le dilemme quoi. J'ai envie de faire confiance à De Jong, mais... Ouais, allez, c'est Bournemouth.
26 ans, Mitrovic 20 ans, t'as le temps. 14 millions, putain. Ok, bon, on va partir comme ça. Ok, on va partir là-dessus. Au niveau de la tactique, coup de pied arrêté, c'est fait. Les corners, c'est pas fait. Ça, faudrait que je m'en occupe aussi. Je m'en occuperai pendant que. Pas pendant une vidéo. Ce sera trop long pour vous. Capitaine, c'est bon. Ok, bon, je vais pas vous faire perdre plus de temps. Si remplaçant sur cette. Non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, bah oui, du coup, je l'ai pas mis l'autre. Donc, tac tac tac. Attribué à deux joueurs, pas de soucis. On va attribuer des numéros de merde pour toi. Voilà le 33. Et toi qui risque d'être remplaçant, numéro 23. Tu ne demandes pas de numéro, donc me saoule pas. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. On part sur le premier match du championnat à domicile. Il va pas falloir se louper. Je le sens pas ce match, hein. C'est un match qu'on doit gagner facilement. C'est un promu qui joue le maintien. On a une cote de 2. Il a une cote de 3,20. C'est pas tip top quand même comme cote. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des interviews au bord du terrain. Ça, c'est nouveau dans Football Manager, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Dans quelle mesure l'absence de Rire Arter? Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais, restez calme. Voilà, on va mettre ça. Pensez-vous pouvoir débuter la saison avec une torche? J'espère. On va se mettre un assuré là. Tac. Ok, que deux questions, c'est bon. Putain, c'est. Je suis étonné, hein. C'est la première fois que là que ça me pose des questions. Donc, en ce qui concerne comment dire, les consignes particulières, j'ai dit à mon adjoint de m'en occuper parce qu'à chaque fois, moi, je mets de la merde. Par contre, tacle le dur. Je suis désolé, je veux pas prendre de rouge. Donc ce sera des tacles normaux. On va pas aller jusqu'à relâcher Murray. Le 2, on va lui mettre toujours. Murray, c'est le mec qui a fait mal à Chelsea dernièrement. Donc on va s'en méfier. Nous sommes favoris dans cette rencontre. Je veux un gros match. Ok, ils s'en foutent. On va contrôler parce qu'on est à domicile. Et les consignes, ça jouait plutôt bien sans rien toucher. Donc on va laisser comme ça et on va débuter le match. Le classement à l'heure actuelle, on s'en fout. C'est pas une priorité. Allez, donc Team Krul pour le premier dégagement. Donc si je passe à côté d'informations que vous avez envie de savoir, que ça concerne que ça concerne ma partie ou le club de Newcastle ou un autre club, hein, si vous comptez démarrer une nouvelle partie, que vous souhaitez comment se débrouille Chelsea, est-ce qu'ils font comme de la merde comme dans la vraie vie ou s'ils sont premiers, pas de soucis, vous me le dites dans les commentaires et puis je vous donnerai tout ça. Anita, plein axe qui fait partir à Idara. Wijnaldum, l'entrée de la surface. Ouais, inutile, il revient sur Idara. Qui sent second poteau, c'est Soko, vas-y. Si c'est qu'a suivi, oui, le but. 9e minute et le premier but de la saison de Papi Cissé. Ça, c'est bon. Aïdara, très bon travail. Papi Cissé, t'aurais pu la mettre toi-même. On va pas se plaindre. Aïdara, qu'on voit beaucoup en ce début de match. Ça me va. Tioté, Jeanne-Mat, Anita, Tioté, Ayosé, ça circule bien dans l'axe. Jeanne-Mat, Anita, en deux temps. Anita toujours en profondeur pour Wijnaldum. Oh, le poteau. Oui, poteau. Poteau, c'est un 6 mètres. Allez, c'est repareil. Sissoko, on joue depuis un quart d'heure à peine. Tioté, Anita. Ça joue dans un petit périmètre et ça revient à droite avec Sissoko qui remet pour Ayoze Perez. Perez, le long de la ligne de touche, va peut-être revenir dans l'axe avec Anita. La grosse frappe, bien captée par Arthur Brook. Le pressing de suite
dès l'engagement. Pour l'instant, tout va bien. Nous sommes à la troisième place et Chelsea vient d'ouvrir le score. C'est anecdotique. Attention, coup franc bien placé. Les voilà, 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 voilà. L'égalisation sur leur première occasion. Premier but qu'on encaisse à la maison contre un relégable, c'est pas bon. Pas content. Oula, Pires qui perd la balle. Ça profite aux joueurs de Bournemouth. Je ne connais pas leur surnom. Attention, Wilson. Tim Krul qui repousse. Oula là là là. Et faites pas les cons là, dans la défense. Là. Commencez pas à jouer. Là. Commencez pas à faire un taureau. Allez les gars, on se relance. Voilà, Anita, Tioté, Ayosé Pérez, Cissé, Cissé qui va tout seul, la parade de Brook, c'est pas fini. En retrait, mauvaise passe de Wijnaldum. Wilson, oh Wilson, oh là là, mais comment il fait? T'as pas le droit de passer comme ça, certes, t'as que 9 en vitesse et en accélération, mais à ce compte-là, tu recules. Attends, tu vas pas sur lui pour te faire passer comme ça. Ouais. Allez, un petit but avant la mi-temps. Richie, encore en profondeur pour Wilson. Bon retour de Colocini. Oh là, la relance plein axe. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Un peu flippé la défense centrale là. Aïdara serait bien que tu redescendes un petit peu quand même pour les aider. J'aurais peut-être dû passer en normal quand je menais un 0. Troisième occasion, franche. Alors passer un petit savon quand même. Hein. Je ne peux pas me satisfaire du spectacle auquel je viens d'assister. Voilà. Allez les gars, on repart aujourd'hui avec 3 points dans la musette. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà, je vois ton gardien. Change de côté. Non, il préfère revenir à droite pour Sissoko. Ayosé Pérez, la bonne accélération qui va pouvoir centrer. Il est bien placé. Le centre, le but contre son camp. Non, le doublé pour Papy Sissé. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va pas faire la même erreur. On va passer en normal maintenant. Attention, le centre. Attention, le 3 contre 2, il est parti. Voilà, mais qu'est-ce qu'ils font les joueurs? Vous avez vu les deux défenseurs qui sont montés tout en haut du terrain alors que l'attaquant avait la balle en bas du terrain. Je comprends pas ce genre de réaction. Je veux dire, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils travaillent là-dessus. Les créateurs de Football Manager, même si au niveau graphique, ça s'améliore d'année en année, ça on peut pas le... On peut pas le refuter, mais c'est pas normal qu'au niveau voilà bien ça, au niveau stratégique, c'est pas normal qu'il y ait une IA si peu intelligente. Le but du 3-1, Wijnaldum sur une passe de Papy Cissé qui fait vraiment un gros match. 8,7 de moyenne pour le moment. Tout va bien. Finalement, j'avais peut-être tort de m'inquiéter. C'est bien, bien, bien. Et puis on continue de pousser, ce qui me va très, très bien. Tant qu'on se fait pas contrer. Côté, la frappe de loin à côté. Dommage. Chelsea vient de doubler la mise. Alors, on va commencer à penser à faire des changements. Sissoko, Yann Matt. En retrait pour Tioté, la frappe, c'est contré, j'ai pas vu par qui, Wijnaldum qui se fait tacler dans la surface, il n'y a pas faute. Anita qui change de côté avec Yann Matt. On cherche Sissoko, Sissoko est devenu et demandé sur le couloir droit. Daniels, on a passé l'heure de jeu. Alors, profondeur, Yann Matt, cette fois. C'est Yann Matt qui fait une bonne deuxième partie de match, donne bonne deuxième moitié de match, tant offensivement que défensivement. Pendant qu'Aïdara s'est
s'est endormi, on le voit plus. Peut-être lui qu'il va falloir changer. Ah mais non. Si je change. Ah yo 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 hors jeu, non. Ouais, peut-être quand même. Merci. Si je change Aïdara, il va falloir que je fasse rentrer le petit jeune là de l'heure là. Et c'est pas vraiment dans mes objectifs. Attention, regain de forme de Bornemousse qui attaque. Ce serait con de prendre un deuxième but, les mecs. Premier changement. Alors, qui c'est qu'on va changer? Il y a Colocini qui est sec. Je pense que c'est lui qui va sortir, remplacé par Williamson. C'était inutile ce genre de commentaire. Je voulais lui dire que j'avais confiance en lui, mais ça n'y était pas. Ou alors j'ai cliqué tellement vite que je ne l'ai pas vu. Biscotte pour Distin? Ah bah Sylvain Distin est sorti. Voilà. Fallait pas prendre ta biscotte. 70e minute après cette occasion, je vais sortir un autre joueur. Il me semble que Wijnaldum commence à tirer la langue. Attention, Wilson. Oh la parade de Krul encore qui fait un bon match quand même. Pas mal. Pas mal de parades de Team Krul. Dirais-je ce que vous en pensez de son match. Oh non, faute de Steven Taylor, qu'est-ce que t'as fait ta film? Allez, Team Krul. Timmy, arrête-le-moi celui-là. Wilson. Eh, il a plongé du bon côté pourtant. Il avait plongé du bon côté. 70%, 69% pour Anita aussi. Rentrer Gouffran à la place de Wijnaldum qui fait un très bon match. Se dit en passant. Et est-ce qu'on fait rentrer Colback? Ouais, je pense qu'on va faire rentrer Colback à la place de Anita qui commence à s'essouffler. On va avoir besoin de lui tout au long de la saison. Alors par contre, on va te mettre en milieu récupérateur. Au même niveau que tu étais. Et quant à Gouffran, on va te mettre en ailier. Ailier en soutien. Ça me semble pas mal. 3 buts à 2. Gros match. Hein. Enfin, un gros match. Match intéressant. Beaucoup de buts pour le début de saison. Les supporters doivent être contents. Un quatrième but avant la fin du match pour nous en tout cas. Je serais un petit peu dégoûté de terminer sur un match nul, je vous avouerai. Gouffran continue de passer dans l'axe, la frappe de loin de Tchèque qui passe au dessus. 10 minutes de jeu encore. Taylor qui, oh là là, oh là là, ce que j'allais dire, Taylor qui va chercher le ballon très loin, mais très loin de sa zone aussi du coup. Heureusement que l'attaquant de Bournemouth avant danger. Allez, on va rentrer dans les arrêts de jeu et se diriger vers une petite victoire. Oh, le petit coup franc en talonnade, facile. Callback. Avec Ayuso Perez. En profondeur, c'est contré. La contre-attaque, Taylor est là. C'est bien fait. Tioté pour Callback à nouveau. Nouvelle chance pour toi, vas-y, tu peux trouver quelqu'un. Perez, Tioté, Colback. Ça circule au milieu. Ça avance. Ici, Sissoko dans la surface. La parade de Borouk. Ce sera un corner pour la sans doute la dernière occasion de ce match. Et voilà, score final à St. James Park. Bon, et ben on termine. On commence la saison. Ouais, on va pas commencer à critiquer. On commence la saison par une victoire. Pas si facile que ça, je m'en doutais. Hein. Contre Bournemouth, même contre Norwich, ça va pas être si facile que ça.
Wijnaldum a fait ses débuts avec nous. Alors, gna gna gna, ouais, bon, il reviendra encore plus fort. Non, ouais, c'était une frappe magnifique. A fait un gros match. Je suis d'accord. Quoi? Nous essayons de le vendre? Non, je pense pas, non. Son tout premier match pour son tout premier match, il a fait de bons débuts. Vous avez remporté votre première rencontre officielle. Excellente rencontre, tout s'est déroulé comme prévu. Non, j'aurais pas dû mettre ça. Enfin, c'est pas le fond de ma pensée, mais c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire. Deux buts, un passe décisive, une passe décisive pour Papy Cissé. Alors, je vais juste regardez pour mon information personnelle, le club, l'historique, l'archive de tous les temps. 177 buts, 431 apparitions. Qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu me mets pas son nombre de buts là? J'ai un buteur. C'est pas tes deux premiers buts avec eux. Fous de ma gueule ou quoi? Ah, c'est ça que je te demandais. Putain. Bon, je chercherai hors vidéo. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pensais faire une vidéo un petit peu plus longue, mais je pense, je sais pas combien elle en est là. Je pense que ça commence à faire déjà un petit peu. Donc je vais pas vous submerger et faire une vidéo de 3 heures dès le premier épisode. On continuera, je pense qu'on fera les matchs contre Norwich et Southampton pour la deuxième vidéo. Voire peut-être plus, on verra à la vitesse à laquelle on va. Donc on va peut-être terminer en regardant les résultats des autres clubs. Chelsea qui a gagné, premier du championnat, victoire 2-0 contre Aston Villa, ou Tottenham qui a battu Manchester City. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Swansea qui a gagné 1-0 contre l'ancien club de Marouane Chamakh. Il y a encore un but à 0. Watford qui a battu Sunderland 2-1. West Bromwich qui a battu Norwich. On va attendre la fin de. On va attendre demain que tout le monde ait joué chacun un match de championnat. Manchester United a battu Everton 1-0, but de Mata à la 55e. Donc il reste derrière nous. Selon toute vraisemblance. C'est pas ça que je voulais, c'est ça. Voilà. Et il reste. Oh là, il y a encore pas mal de matchs. Ils vont tous se jouer le dimanche. Voilà. Liverpool, Southampton et West Ham, Arsenal. Victoire de l'OM, retour de Diarra, ok. Récapitulatif, récapitulatif. Équipe affiliée. Si rien, il faudra se méfier du Torino, ok, de l'Athletic en Espagne, Sagnol Cortés Romao. Vente d'abonnement annoncée, 37 000. C'est pas mal. C'est pas mal. Je voulais faire quelque chose aussi. Alors il me semble que mon ennemi juré est Sunderland, voilà. Et je joue contre Sunderland le 16 décembre. Juste avant les fêtes. Ok. Il y aura de gros matchs. Hein. Là, City, Tottenham, Liverpool, d'un coup, ça va piquer. Chelsea, United, Arsenal, ça va piquer aussi. Bon groupé au moins. Ok, on y va, on continue d'avancer. Sinon, on n'y arrivera jamais. Voilà, donc, défaite de Liverpool 2-0. Et victoire d'Arsenal.
un but à 0 sur un CSC. Oh. Liverpool City, dernier avant-dernier, ça fait plaisir. C'est au moins 3 prix de points sur eux. Le match est décalé à dimanche. Et on recevra 1,2 million, c'est bien. Très bonne nouvelle. Toi, je comptais pas te faire jouer. Ok. Eh ben écoutez les amis, on va se quitter là-dessus, sur le classement. Quatrième finalement. Quatrième pour une après une journée. Bon, c'est pas. On va pas être super ravis, hein, c'est que la première journée, mais on aurait pu partir par une défaite. On aurait pu partir sur une défaite. Donc on va pas s'en plaindre. Surtout que c'est contre un promu, donc on va dire que la logique est respectée. Allez, petit bonhomme, avance là. Voilà, stock Leicester, c'est ce que j'attendais. Et les matchs au Capital One Cup qui commencent. Victoire de Stoke City contre Leicester. Donc voilà le classement final. On reste au quatrième. Donc, et ben écoutez, je vais vous quitter là-dessus, hein. Donc je vous remercie tous d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions en ce qui concerne le jeu parce que vous n'y avez jamais joué, ou des questions parce que vous avez joué aux versions précédentes et vous souhaitez avoir des informations sur ce nouvel opus, ou sur les clubs, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, vous jouez dans des divisions différentes et vous avez envie de tester l'Angleterre, pas de soucis, allez-y, posez vos questions. Si vous avez des conseils, si vous avez l'habitude de jouer Newcastle, et que vous me dites, ah, par exemple, non, fais jouer Colback, tu vas voir, il joue super bien, ou fais pas jouer un tel, parce qu'il c'est de la merde, tu peux trouver mieux. Bah, pareil, je prends tous les conseils, hein, tous les conseils sont bons à prendre. J'ai 1 million d'euros pour les transferts, donc ne me sortez pas des noms de recrues improbables. Là, à l'heure actuelle, je recherche, si possible, des défenseurs. Qui coûterait moins d'un million et si possible pas des jeunes jeunes, enfin je veux pas des vieux mais je veux pas des jeunes de 15-16 ans, dans les 19 minimum, qui puissent jouer et qui est déjà prêt pour la première ligue, que je puisse jouer. Je cherche pas un joueur pour les 3-4 années qui viennent. Voilà, donc si vous avez plein de conseils, si vous avez des infos à me donner, ben je suis preneur. Donc je vous remercie. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner, ben abonnez-vous à ma chaîne, hein, vous recevrez les notifications pour les vidéos. Et puis voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao.